نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Nous pouvons étudier asnaf et arab al-ism, ben different types de ism sur arab. L'auteur de Hidayatun Nahr rahimahullah Finjanu qui en a 9 types. Premier type c'était kot halatul rafa, li est exprimé par dhamma, halatul nasb li est exprimé par fatha, et halatul jar li est exprimé par kasra. Et ensuite, nous apprenons qui ça, les khas, avec mufrad munsarif sahi, et les khas, deuxième, avec al-jari majara as-sahi, et troisième, les khas, avec al-jam' al-mukassar al-munsarif. Et nous finissons ce man exemple. Maintenant, nous guettons deuxième type de arabe, de ism, deuxième type. Alors, l'auteur de Hidayatun Nahr, rahimahullah, lui dit à Thani, deuxième, أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة. Il dit, deuxième type de i'rab de un ism, c'est que الرفع, حالة الرفع, nominative case, lui est exprimé par dhamma. Dans nominative case, li rend dhamma. والنصب والجر بالكسرة. Dans halatu nasb, accusative case, waljar, et genitive case, li prend kasara. Right? Li prend kasara. Halatu rafr, li prend dhamma. Halatu nasb, li prend kasara. Li pas prend fatha. Et halatu aljar, li prend kasara. Et ça, wa yukhtassu bi jam'il mu'annathi السالمي et ça li spécifique les khas avec jam' right, plural. Donc quand il y a plural, l'in exclude là-dedans, l'in exclude depuis là-dedans singular et dual. Ok, il peut cause plural, mais qui plural? Il peut cause plural pas masculin, féminin, al-mu'annath féminin, et ensuite li pape cause broken plural, jam'ul al-jam' al-mukassar, li pe cause jam' salim, sound plural. Right? Alors, li dire que ça, deuxième là, li spécifique avec pluriel féminin salim, sound plural. Alors, par exemple, taqulu ou dire hunna muslimatun. Muslimatun. Donc ici, le mot muslimat, lida halatu rafa. Ok? Nominative case. Et nominative case, sa halatu rafa peut être exprimé par dhamma. Nous li ali hunna muslimatun. Muslimatun, c'est plural. Alors, wa, et deuxième, wa ra'aytu. Maintenant, là, besoin de faire bien attention. Ra'aytu, I saw, muslimat. Ici, donc ça, muslimat, li maf'oul, là, ok? Accusative case. Fais attention, pas li ali muslimatan, li bizan ra'aytu muslimatin. Muslimatin. Qui fait? Parce que l'infini, il y a nous, wa nasbu wal jarru bil kasrati. Ok? Nazm et jar li est exprimé par kasara. Donc, ra'aytu muslimatin. Ra'aytu muslimatin. Li accusative comme ça. Wa marartu bi. Alors là, il y a une préposition. Bi bajara. Et donc, nous pouvons lire comment? Bi muslimatin. Bi muslimatin. Right? Donc, muslimatun, dans nominative case. Accusative case, muslimatin. Genitive case, muslimatin. Muallimatun, so plural, par exemple. Muallimatun, nominative case. Muallimatin, accusative case. Genitive case, qu'il est pour venir? Muallimatin.
Ça, c'est quelque chose qui nous faisait finir en France depuis avant. Mais vu que beaucoup de monde fait confusion, je trouve, par exemple, casserole, slimatine, je dis, avait été fait faute, tu viens de dire muslimatin, non. Muslimatine, même. Il est bon, là. Mais il est accusatif, qu'est-ce? D'accord? Ensuite, Assalisu, troisième type de i'rab. Troisième type de i'rab. أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. Alors, troisième type de إعراب, c'est que رفع ليت exprimé par un ضمة والضمة والنصب والجر بالفتحة. Et ici, nasb et jar liet exprimé par fatha. Par zabar. Allez là, nous allons prendre nasb, halatul nasb et halatul jar, les prend kasara. Mais là, de halatul nasb et de halatul jar, les prend fatha. Ok? Voyouhtasso, بغير المنصرف et ça lié spécifique avec غير منصرف. Ok? Da ism mu'arab, il y a certains mots qui sont munsarif et il y a certains mots qui sont غير منصرف. Da mu'arab. Alors, ka Omar. Par exemple, le mot Omar. Alors, le mot Omar, da nominative case, nous pouvons aller Omarou. Ja'ani Umaru. Umar fin vin kot moi. Ra'aytu Umara. Accusative case, il prend fatha. Mais de genitive case, marartu bi en abajara ici. Mais seulement, mon papa pouli ali bi Umari, mon pouli ali bi Umara. Bi Umara. Qui fait bi Umara? Parce que les غير منصرف, les غير منصرف, et que les غير منصرف, da jar aussi, halatul jar aussi, les poupons fatha. Les poupons fatha. Ok? Bon. Moi, il y a devant moi là Arabic Tutor volume 4. Il y a les online ça. Nous guettons une petite affaire là-dedans. Pour expliquer certaines choses, peut-être les poètes non, pour comprendre plus bien ce qui nous peut en prendre là-bas. Mais mon envie, explique-vous en point qui se supplémentaire, qui peut-être poète non quelque part. Ok, nous guettons les depuis le commencement. Il peut cause i'rab de ism, qu'il appelle les declension of a noun. Ok, peut trouver page number là, tout là, au cas à finir. With regards to i'rab, nouns are of three types. Al-Mabni, okay? Indeclinable nouns whose final radicals remain unchanged in the different cases and they are not affected by any amil. Nous pouvons causer un petit peu l'ola, nous pourrons causer l'ola après, Inch'Allah, Mabni. Et ensuite, là, qui nous peut causer? Nous peut causer ça. Al-Mu'arab al-Munsarif. Okay? Mu'arab, Munsarif. Qui certaines fin appelées triptotes. Those nouns whose ends change due to a change in case and which accept rafa, nasb and jar with tanwin. Une définition l'une de nous de munsarif. Ok? Cela fait changer. Quand il denominative case, cela fait changer. Accusative, genitive case, cela fait changer. Et il accepte tanwin en principe. Ok? Il accepte tanwin. Alors, جاء رجل رأيت رجلا قلت لرجل. Mais nous avons le mu'arab qui est غير منصرف. غير منصرف. Qui est causé là-bas. Là. Qui, certaines filles appellent les diptotes. Nouns which do not accept tanwin. Ok? Je ne prends pas tanwin, ça va le mot là. And in the nominative case, a dhamma is used. While a fatha without tanwin is used in the accusative and genitive cases. C'est qui nous explique. Ok?
جاء عمر رأيت عمر قلت لي عمر. Okay, ça, non expliqué. Capable de lire là, c'est facile. Maintenant, le mot Omar, c'est un nom propre, donc nom de Ndimon, donc il n'est pas pour prendre Al. Parce qu'il est déjà défini. Okay, il est déjà Marifa, non Ndimon. Donc il est déjà Marifa, pas pour ajouter Al, il est pour faire les vignes plus Marifa. D'accord? Mais seulement, dans sa catégorie de mot arabe, غير منصرف là, nous pouvons dire un mot comme ça, nous avons un mot, surtout par exemple, un broken plural, qui, une bonne partie là-dedans, lit غير منصرف. Okay? Alors là, mon retour dans Arabic Tutor, volume 1, page 115, quelque part là-dedans, il explique nous. N'expliquons concernant broken plural. Où est-il là-bas? Une bonne partie de un broken plural. Mola, quand il est singulier, les mots arabes, ok? Par exemple, masjidun, le mot masjidun, singulier, les masjidun nominative, accusative, masjidan, genitive, les masjidin. Mais ça même mola, quand il vient plural, masjidu, quand il vient plural, Livin, غير منصرف. Livin, غير منصرف. Donc, nous avons une bonne partie de man mot plural qui se غير منصرف. Et non, quoi apporte ça? Alors, là, il explique nous, regarde bien. Il y a nous, such nouns are called ism غير منصرف in halatul raf. They are pronounced with a dhamma in halatul jar with a fatha. Ok, ça nous en prend. Ra'a Uthman Zainab fi Makkah. Ra'a Uthman, Uthman fin trouvé. Uthman est fa'il, donc il prend un pêche, il prend deux pêches. Zainab, non en dimunsa, donc les ghair munsarif, les diptodes. Et Zainab, en se zabar, fi Makkah, il prend déjà fi Makkati. Il prend déjà fi Makkati. Le mot Makkah, l'idée génitive qui est cela, l'idée halatul jar. Mais seulement, ça, halatul jar là, pas peut être exprimé par zir, par kasra, il peut être exprimé par fatha. Comment nous en prenons la loi là? Mais il y a la loi encore qui m'a envie, on va dire, attire l'attention vers ça, qui, il peut servir nous quelque part peut-être. However, when an ism ghair munsarif, ok? Ism غير منصرف has al prefix to it. Il prend al. Ok, par exemple, masajid même. Ok, il est capable de prendre al. C'est pas un nom propre de Ndimon. Alors, quand il y en a al prefix to it, or it is mudaf, or it is mudaf, then a kasra will be rendered to it in halatul jar. Là, il peut prendre un kasra. Alors, par exemple, si nous tiens à poudia, nous tiens al, nous faisons livin nakira. Là, les ma'rifa, les ma'rifa, les déjà fil masajidi. Ok? Est-ce qu'il y a une faute là? Non, il n'y a pas une faute. Fil masajidi. Mola, les غير منصرف, mais seulement quand il ajoute al au commencement, alors là, il prend kasara. Mais si pas tu as al, qui nous tu peux dire? Fi masajida. C'est le type indéfinite, nous tu peux dire fi masajida. Ok? Comme ça même. Fi masajidil muslimin. Si disons tu as 6 masajid, pas tu as al-muslimin, donc mola, le type indéfinite, masajid, le type li ali fi masajida. Mais là, ici, il n'est pas indéfinite, il est définite, il est ma'rifa, parce que les mudaf a le mot, les mudaf du mot al-muslimin, donc quand les mudaf, ça la loi là, il n'applique qu'un kasra fin bini, donc nous pouvons aller fi masajidil muslimin. Right? Nous pouvons aller fi masajidil muslimin.
Ça, c'est quelque chose qui me pensait, moi, lui. Pour autant, nous rappelle, lui, en même temps qu'il nous paye, étudier Hidayatun Nahw ici. OK? Donc, nous repassons ce qu'il nous lit aujourd'hui. Alors, Athani, deuxième type de arabe, an yakuna rafu bil dhammati wa nasb wal jarru bil kasra. L'idiano qui da halatu rafu, il est exprimé, ça, il est exprimé par dhamma et da nasb jar, il prend kasra. Et ça, il est spécifique avec jam muannath salim, le mot muslimatun, muslimatin, muslimati. Exemple. Troisième, c'est an yakuna rafu bil dhammati wa nasb wal jarru bil fathati. Troisième type, c'est que dans halatul raf, il prend dhamma, dans halatul nasb et halatul jar, il prend fatha. Wa yukhtassu bi ghayril munsarifi, et ça, il est spécifique à ghayr munsarif, comme le mot Omar. Nous dit, ja'ani Omaru, ra'aita, tous les démons, hein, voilà. Enfin, normalement, nous les lit ra'aitu, mais même si vous dites ra'aita, il y a une faute là. Ra'aita Omara, l'exemple là, toujours l'écoutini. Bon. Ra'aita Omara veut dire, te fin trouve Omar, donc Omar, il est toujours maf'oul là. Ra'aitu Omara, wa marartu bi Omara. Allah Rabbul Alamin, facilite-moi.